Bienvenue sur ce break. Allez, ce break Hoops numéro 4, le dernier des Hoops, je pense, sur le groupe NBA Cartadine. Je vous dis bonjour à tous. Un hommage ce matin, forcément, à LeBron, à Cage, à ce magnifique record qui est tombé sous mes yeux. Et nous, aujourd'hui, on est là pour du retail, puisqu'on a du Fat Pack, on a du Blaster et on a de la Retail Box. Voilà, je sais pas comment je vais ouvrir ce matin. Je pense qu'on va attaquer par les Fats. Et puis je ferai peut-être une pause Blaster entre les deux. Allez, on y va, je vous souhaite bonne chance à tous. Sachez que je tourne ce break. Nous sommes jeudi. Le temps que je vous le monte et que je vous le mette à disposition. Allez, c'est parti. Bon, les bases, on va passer très vite parce qu'on a quasiment tout eu hein, sur le groupe. Quand je dis quasiment, c'est on a tout eu sur le groupe. Je pense que nos sets sont complets. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire des trades entre vous. Ce qu'on va aller chercher, c'est les dernières cartes. Puisque, oh, une tribu de Chris Paul. Oh, une Bénédicte Mathurin. Et oh, Paolo Banchero. Oh, bah, tiens, et quitte à prendre. Petite tribu de Jason Tatum. C'est ça qui va nous intéresser. Un peu de rookie. On prend hein, les rookies. Tiens, tribu de Banchero. Bah, très bon ça pour Orlando. Hein. Allez, bim, Scotty Barnes. Très bon pour Toronto, ça. Et à l'heure où je vous parle, Toronto n'a pas été pick. Cette Blue Explosion. Très sympa. Une Skyview Fila. Ouh, James Harden. Très bien, on l'avait pas eu. Une Arriving Now, Tyson, c'est pour les Rockets, ça. Hein. Et une Skyview Holo, Zach LaVine pour les Bulls. Alors ça, c'est un très très bon tirage. Bravo, je pense que c'est Ben Lou qui s'était positionné sur les Bulls. On lui avait pas sorti en Holo. Et bien déjà, d'entrée de jeu, bim, ça rentre. Et oui, ces Fat Packs sont surprenants hein, de temps en temps. On avait eu des bonnes surprises hein, en Fat Pack la dernière fois qu'on les a ouverts, la semaine dernière. Donc j'espère qu'on aura les mêmes bonnes surprises cette semaine avec du Fat Pack. Mais franchement, voilà, ça sort du Bulls. Hein. Kevin Durant qui a été transféré à Phoenix. J'ai eu du mal à mon réveil ce matin. Un peu de clip, hein. Ça c'est bon, on prend. Voilà, ça c'est bien. Stan, on l'avait eu. Moses Moody. On continue. Ah, oh, bah encore du Bradley Beal, décidément. Ah, Stephen King. Allez, on y va. Oh, oh, Lonzo Ball. Encore. Encore Chicago. En Blue Explosion. Oh, bah, Sky. Oh, bah, bah. Il va nous casser le break, ça y est. Ah, une Frequent Flyer, si on les a trouvés belles. Joli, du Jalen Green. Oh, c'est bon ça. Bon ça pour les Rockets. Et derrière. Oh, papa. Elle est holo. Elle est holo, les gars. Oh oui, une pure player, Giannis. Oh oui, 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 oui. Ouh, très bon. Très bon début de break là. Ouh là là. Ouh, il fait chaud. Il fait chaud, Zouzi. Je suis tout seul. En plus, j'ai pas vos commentaires pour une fois. Ah ben voilà. Ouh, ça, il attaque fort ce break là. Ouh là là. Ouh, il y a de la belle carte. Ah, j'aime ça. Ah, il y a de la violette. Allez, on y va. Ouh, mon chouchou est passé. Island. Brown. Allez, Jabari Smith, on prend les tributes, c'est bon. Hein, c'est des belles cartes. Allez, on a notre Blue Explosion. Ce sera pour. Allez, les Lakers, les Blue Jays. Oh, bah, c'est la journée de LeBron. Hein, je sais pas si vous avez vu l'autre break. J'ai sorti une belle carte. Oh, très bon ça, les Lakers. Oh, on fait un beau tirage là. Une Arriving Now, Wendell Moore pour Minnesota. Une Pure Player, c'est encore. Oh, le Giannis de base. Bien joué, il aura les deux. Et une Cam Reddish en violette. Oh, il est bien ce break. Oh là 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 là. Eh ben. Allez, je continue sur les fats. Allez, je suis lancé sur les fats. Je voulais faire peut-être une pause. Mais là, je sens que j'ai la main chaude. Il faut pas lâcher. Quand on a la main chaude, c'est comme au poker. Hein. Oula. Là, j'ai vu une violette. C'est très bon ça.
change de sens. Bizarre. Bon, les bases, vous les retrouverez. Hein. Une bénédicte Maturin. Allez, on va se calmer un peu. Beauchamp, c'est bon. Si t'as tout, mon tribute, c'est très bien. Et... Oh, super break. Une blue explosion. Jabari Smith tribute. Très bon. Allez, Sochan, très bien pour San Antonio aussi. Fréquence Flyers, monsieur Bam Adebayo, bien. Et Eric Gordon en violette, le bon soldat. Je ne l'ai pas sorti tout à l'heure, celle-là, mais t'es pas dans le... Oh là là, la Jabari Smith Blue Explosion. Ouh, ouh, ouh là là. Eh ben. Ah, je suis tout seul, hein. La maison, elle est... à part le chien. Je peux crier autant que je veux. Je peux faire des popopo autant que je veux. Personne ne m'embête. Bon, je les retourne même plus, les bases. Je suis devenu un breaker américain. Ah non. Hein. Les belles bases, je les aime quand même. Hein. Ça tente beaucoup, encore une fois. Ouais, Jaina, il est en tribute. C'est bon, ça. Il va en avoir une collection. Allez, on se calme un peu. Ça va tomber. Jérémy Sochan, c'est pas mort. Gaïdé, on l'a déjà eu, mais bon. Tiens, Kylian Murray. Allez, ce sera pour qui cette Blue Explosion? Minnesota? Malik Beasley en Blue Explosion, c'est pas mal aussi ça. Oh oui, une pure player Boston. Très bon ça, Jason Tatum. Très bien, Jabari Smith. Et Kyrie Irving, sa dernière carte. en Brooklyn, en violette. Ouh, pas mal du tout ça. Allez, dernière Fat Pack, elles ont été bien, on a sorti des cartes qu'on n'avait pas eues. C'est tout ça l'important. Allez, on poursuit. Du Brogdon. On avait tombé, hein. Du Diaron Fox aussi. Kevin Durant en rookie. La tribute. Curie en tribute aussi. Allez, on a une Blue Explosion. À quel moment on va avoir une Blue Explosion? C'est la question. Elle est là. Bon, ça sent du rouge. Ça sent Houston encore, non? C'est Atlanta. Bon, allez, c'est parti. Une rookie en Blue Explosion. C'est un super tirage. Bravo. Bravo, Atlanta. Oh, une fréquence Flyers pour Jamoran, je suppose. C'est bon, ça aussi. Une Arriving Now pour... David, Roddy, l'église, et une violette pour... Corey Crisper! Encore Washington, très surprenant, c'est break en ce moment. La violette. Ouh, et ben, les Fat Pack ont été très sympas. Très, très sympas. Allez, on y va sur le blaster. Je sais pas si le blaster va tenir la comparaison, hein, parce que... Venez, ces Fat Pack sont très surprenants, finalement. Allez, je vais pousser un peu la retail box. Allez, on y va. Oh, il m'a l'air compact celui-là. Oula, je vais le garder pour la fin. Ouais, de temps en temps, on a des packs qui ont l'air un peu plus compact que... Qu'est-ce que c'est ce truc? Oula, on a un truc bizarre, je vous annonce. Comment je vais m'en sortir, moi? Attendez, je me cache. Vous inquiétez pas. On a un truc bizarre. Ah, mais c'est un truc Memphis, c'est bon. J'ai rattrapé. Oh, il n'y a rien de très bizarre. Le mec essaie de faire le suspense. Ah bien, Kessler, ça se prend. La Keegan Murray en tribute, ça se prend aussi. Vous avez de quoi faire de belles collections là, logiquement. Et... Ah, une holo LeBron James. C'est bon ça. Les Lakers, très bon tirage les Lakers. Hein. Et une Memphis, c'est ça qu'on avait vu derrière. Hein. Pour Jake. Voilà, c'est ça qui apparaissait derrière que j'ai dit tiens, il y a un truc bizarre. Ah, j'ai dit que celui-là, je le gardais pour après. On dirait celui-là, il a l'air compact aussi. Ah, ils sont montés bizarrement, ces packs. Hein, ils sont montés très bizarrement. Je suis obligé de faire semblant, là. Hop. Si quelqu'un la veut pas, la Miami, la tribute Dwayne Wade, je la prends. La petite Cade du jour, comme d'habitude. Zach Levine.
Et une bleue. Une as à bleu. Dylan Brooks. C'est très bien pour Memphis. Ça. Très très bien. Et arriving now. Encore Houston pour Titi. Très bon. Houston fait un bon break. Hein. Lakers, Houston en tête. Ah, ils sont très très bizarres ces packs. Excusez-moi. Hein. Je sais que ça se fait pas trop de sortir du champ avec les cartes. Mais. Eh, une petite Luka Tribute, ça se prend aussi. Ça s'échange, hein, Luka Tribute. Vous pouvez trader du truc, hein. DeAndre Jordan. Et en violette, Jonas Valanciunas. Je l'aime bien aussi, Jonas Valanciunas. C'est du bon joueur, ça. Et une Frequent Flyers. Anthony, notre fameux Anthony Edwards. Qui a beaucoup, beaucoup de cartes sur ses hoops, hein. En fait, elles sont toutes compactes, hein. Je dis des conneries, hein. Alors, toujours pareil, il faut que j'innove. Ils sont bizarres, hein, elles étaient retournées, plus retournées. David Roby, Jalen Ivey, c'est bon ça. Ah, ils sont bien ces breaks là. Ce matin, même sur le break qui paye, j'ai eu des belles cartes aussi. Alors, une mauvaise surprise, mais une très belle carte. Allez, une bleue. Oh là là, Moses Moody. En parallèle bleu. Très très bon ça, très bon tirage, bravo Golden State. Et une arriving now pour Atlanta en AJ Griffin. Ouais, j'ai une hobby box sans signature. Alors, ça fait partie des risques du métier. Alors là, le reste du tirage était très bon. Hein. Très très bon tirage. Donc je vais pas me plaindre. Mais c'est dommage pour la signature quoi. Allez, on enchaîne. Jamal Murray. On prend. Hein. Les Bulls, il fait tout le set. Hein. Encore une insert bleue. Oh, une Jalen Ivey. En bleu, insert. Oh là là, Wookie Cart en bleu. Jalen avait bien joué. Détroit, oui. Pop, 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 pop. Ça, c'est un bon. Ah ben, et je lui fais une collection à Mehdi. Un petit bisou à Mehdi. Qui est allé voir ses Pistons à Paris. Et une Zion Skyview. Pop, 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 pop. Je sais pas si Nico l'aura. D'ailleurs, oui, je dis Mehdi, mais... La draft a pas été faite. Bon. Ouh, Zion, c'est bon. Allez, dernier pack. Ouais, bah, elle était mieux. Allez, ce blaster était mieux que l'autre. Qu'on avait fait. Mieux que l'autre. Petit Jamoran Tribute. De Rockets. J'espère que je vais pas trop vite pour vous. De toute façon, vous retrouverez vos cartes comme d'habitude. Allez, une bleue. Ce sera encore du Pistons. Alec Burks. Alors avec le jersey New York, j'aime moins ça. Et encore une Skyview, on est venu les chercher. Oui, Bradley Beal. C'est bon ça. Ah, allez, pas mal. Franchement, attendez, je vais mettre de côté certains inserts parce que le tri. Ça va être long. Oh, cette LeBron James Silver, elle est pas mal non plus. Allez, on attaque la retail. Eh ben, franchement, très sympa. Hein. Fat Pack ou notre blaster, un peu plus, comment dire, un peu plus convaincu que la semaine dernière. Bon, après, ça nous fait des spots à pas trop cher non plus. On va pas se plaindre, mais bon. Alors là, on va aller chercher de la parallèle de couleurs. Hein. C'est ça qui nous intéresse. Les bases, on les a eues sur nos 8 cartes. Parce qu'il y a là, les inserts qui gagneraient encore 10 éléments. Et c'est ça qui nous intéresse. Et voilà, Donovan Mitchell, ce sera pour les Cavaliers, attention. C'est exactement ça qui nous intéresse. Les inserts exclusifs et les parallèles de couleurs, on prend. Alors avec un peu d'holo, c'est encore mieux. Et avec une gold, le gars, il se motive tout seul. Ah, une pure players. Oh, Anthony Edwards encore. Bah, décidément, Minnesota aura été la réussite de ces hoops. C'est bien, on en a eu quelques-unes, là, des pure players. C'est bon, ça. Très bon, ça. Allez, on poursuit. On poursuit. Ce sera une violette. Une violette pour Seth Curry à Brooklyn.
ce serait une grating. Je crois que j'ai vu l'arrière. Pour les Rockets, encore. Harrison. Ah bah décidément, Houston c'est pas mal, hein. Houston c'est pas mal. Allez, je veux de la parallèle, moi. Ah, on aura de la violette. Allez, la violette, ça se prend. Hein. La violette. En rookie card violette. Ryan Rollins, ça se prend. Hein. Ça se prend tout à fait. Sur du rookie, c'est du bon tirage. De la violette, de la bleue, de la silver. C'est des choses qui complètent. Je vais dire c'est le pack sans rien, mais non. Une greeting, non. Chicago, Dallin Terry. Rookie greeting. Allez, une petite silver. Ah, ce sera une arriving now. Ça, on prend, hein. On les a pas toutes encore. Osman Dieng, c'est bon ça. On les a pas toutes les arriving now. On n'a pas tout sorti. Allez, on poursuit. Ah, Frequent Flyers. Oh là 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 là, Kate Cunningham. Mais là 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 là, j'allais mettre à la poubelle les cartes. Oula la la la, popopo. Pas mal ça, hein. Et on va s'en faire quelques-unes, logiquement. Décidément, j'avais choisi mes box pour ce break-là. Hein. C'est dingue, hein, des fois. C'est vraiment du hasard. Hein. Ah, Watson, on le prend. Anthony Edwards en tribute. Une violette pour Malcolm Brogdon. Version Boston, attention, hein. On se fie pas au jersey. Je sais pas si je l'avais pas déjà sorti celle-là. J'ai un doute. On poursuit. Logiquement, je vous le fais en continu le break. Hein. J'essaie de pas couper. Ronaldo, pas mal. Ce sera encore une violette. Wendell Carter Jr. pour le Magic. Très bien. Je l'ai vu jouer l'autre jour et il était pas mal du tout. Il a été pas mal du tout. On poursuit. Ah, je pense que c'est une arriving now à la fin. Loka. C'est Jokic. Une arriving now pour les Cavs. Oshai. C'est pas mal aussi. Oula, il est bien compact celui-là. J'annonce, il est compact celui-là. Denny. Oula, on a une bleue explosion. Attention, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. Numéroté. Ah non, c'est même les numérotés. Pour qui? Bobby Portis. Oh, 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 oh. Sur 59. Bien joué Milwaukee. Oui. Voilà exactement ça qu'on est venu chercher. Bien joué ça. Oh, elle est très très jolie. Elle est très très belle cette carte. Oh oui, 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 oui. Ah, je dis oui. Voilà, c'est exactement ça. Bon, je pense que ce sera une rookie creating. Si j'ai vu un peu l'arrière. On les a pas toutes eues encore. C'est ça. Et ce sera pour les Sacramento. Keegan Murray, bien. Bien, il est en train de monter en flèche. Allez, qu'est-ce qu'on espère? Qui c'est qui j'ai un peu lésé? Bon bah, hey, j'en prends du Pacers là. Décidément. Zion. Une tribute à Allen Iverson. C'est une Frequent Flyers. LeBron James! Oui, messieurs, dames. LeBron James. Bien pour les Lakers. Wow, ça distribue un peu à tout le monde là. Hein? Ah. Est-ce que c'est un livreur?
mon chien qui vient de me faire la sirène d'alarme. J'attends des box, comme d'habitude. Ah, attention. Allez, c'est reparti. Excusez-moi, c'est les box, les prochains breaks qui sont arrivés en plein direct. C'est les risques du métier. On y va sur Martine et on a une violette. Trey Murphy. Eh ben, c'est pas mal ça. Oh, faut que je reprenne mon souffle. Hein. Je pourrais presque vous faire le prochain break. Non, je break. Allez, en plus, c'est pas des hoops qui sont arrivés. Violette encore pour Miami, Tyler Hero. Ouh, je sais pas si. Clément, je crois que c'est son mois sans break. Le fiston va m'en vouloir de sortir une petite Tyler Hero violette comme ça. On poursuit, j'ai ma poubelle qui est pleine. Breaker comme un fou. C'est pas de la violette derrière, on a un truc bizarre, j'annonce. Sonine, une Skyo, Jimmy Butler, Miami. Miami qui prend la... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouais, Skyview, du coup, on a eu pas mal de cartes qu'on n'avait pas eu la dernière fois. Et ça, c'est bien. Allez, on poursuit. Brunson, derrière, on a encore une belle insert. Brown, Jamal Smith, encore une Skyview. Kevin Durant à Brooklyn. Ah bah, ses dernières cartes. Oh, ça reste un excellent joueur. Hein. Oh, pas mal. Ouais, je dis qu'on avait pas tiré, mais on fait une belle collection là. On fait une belle. Oh bah tiens, Kevin Durant. Petit back to back Kevin Durant. Jared Allen, mon chouchou. Ce serait une Arivigna, mais elle a l'air jolie cette Arivigna, non? C'est moi? Oui, c'est une Arivigna. Holo, oulala. Donc on sait que c'est un rookie. Arivigna, c'est une collection rookie. Et ce sera pour. Oh là là, Houston. Très belle carte ça, très beau tirage. Po. C'est bon ça. Ouh. Franchement, ça finit pas mal là. Il est pas mal ce break là. C'est une belle petite moisson. Encore une arriving à Holo? Non. Elle est tout court ou elle est Holo? Ah, mais c'est bien. Pour le Jazz. Le fameux Kessler hein, qui monte aussi dans les sondages. Non, c'est pas une holo. Là, je vais vous montrer la différence entre les deux. Ça va se voir à l'écran, je pense. Plus que moi avec les éclairages. Voilà. Allez, on poursuit. Il nous reste... Allez, je vais vous dire exactement. Je vous fais le décompte. Il reste 3 packs après celui que j'ai dans les mains. On a sorti pas mal de choses. Hein. Voilà, vous n'êtes pas là pour m'appeler les cartes. Ce sera une violette... On a une sur 50, hein, ce qui est un très bon tirage. Michael Porter Jr. pour Denver. Denver qui était papy, je crois, qui était orpheline ce matin. Alors, rien que pour celle-là, ça valait peut-être le coup. Comme quoi, des fois... Ces cartes-là aux États-Unis, elles coûtent un peu cher avec le port et l'import. Et vite rentabiliser vos spots, en fait. Allez, violette, une petite Ousmane Dieng. Oh, cette Curie tribute, violette. Pas mal ça pour Golden State. Bien joué, Golden State. Allez, du Robert Williams. Tout ça, on a eu, hein, je pense. Hop, petite Jokic. Oula. Oula, on a un hit là. Attention, attention. Je suis à l'envers, je suis à l'endroit. Guard. Guard de Green, mais Guard de qui? D'André Melton pour les Sixers en silver. C'est du non numéroté, mais c'est du silver. Bien joué les Sixers, ça. Bien joué. Allez, et la dernière.
Bon, ça aurait été un beau break globalement. On a eu pas mal de cartes. Oh, encore une belle carte derrière, une arriving now, je pense. Si vous avez un rookie dans le viseur, c'est le moment. Un peu de Benedict Maturin. Paolo Banchero et Dyson Daniels. Et ben voilà, un chouette break, très honnêtement. Une grosse variété de cartes qu'on n'avait pas eu encore. Comme quoi, des fois, c'est bien d'insister aussi avec du retail. Je pense à cette Blue Explosion qui est quand même un gros hit. Elle est où, ma Bobby Portis? Je l'avais mis de côté. Elle est là. Ça, c'est un vrai hit. Bravo. Sur 59, c'est rare d'avoir des cartes comme ça sur du retail. Donc, c'est un très bon tirage. Et ben voilà, bravo. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine avec le colis qui vient d'arriver à l'instant. Qui ne sont pas les hoops. Ça change un peu. Ce sera des Chronicle Drafts pour aller chercher de la signature de nos rookies de cette année. Allez, je vous souhaite à tous un bon week-end, surtout un bon Super Bowl. C'est pour ça que j'ai enregistré, puisque je regarderai le Super Bowl cette nuit. Et bon match à tous. Je ne sais pas pour qui vous êtes cette année. J'ai vu un peu de Eagles sur le groupe. Mais... Allez, à bientôt.